c'est un dompteur de matière, c'est un dompteur de matériaux, et c'est vraiment ça, c'est du domptage des éléments, et il se bat, c'est son spectacle, c'est un combat entre l'homme et la matière et l'objet. Donc le spectacle, il sera donné 6 fois dans le cadre de Sergiçois, et il sera prolongé dans le parc de la préfecture sous chapiteau. Ce sont les images que vous voyez font partie du spectacle. Et puis, ce sera aussi une installation dans un certain nombre de villes avec lesquelles tu travailles. On peut rappeler les villes où il y aura un certain nombre de différents aspects de ce travail de création de Joanne Guilherme, qui est tout à fait atypique et multiple aussi. Vive la vie, ça tout le monde le sait. On sait peut-être un peu moins que c'est le titre d'un tableau de Frida Kahlo. C'est le dernier qu'elle ait peint avant de mourir. C'est des grosses pastèques qui sont extrêmement charnues, des formes sensuelles qui marquent tout son attachement pour sa vie, au moment où elle allait la perdre. Et du coup, on a trouvé ce titre parce qu'on trouvait que ça rendait bien compte de l'ensemble des formes qui sont réunies, qui concernent des gens chez qui un handicap a pu constituer la source d'une démarche de création. À 8 ans, je rêvais d'être une plante. La famille de secrète qu'elle était devient extrêmement, infiniment secrète. Attendez. Excusez-moi, je parle pas le japonais. Parlez français, que je puisse vous comprendre. Un jour, ses parents se sont fatigués de la voir virevolter dans la maison. Joséphine, arrête ce cirque. Ce n'est pas du cirque, c'est de la danse. Justement, la cuisine s'est faite pour cuisiner, pas pour danser. Pour danser, arrête ce cinéma. Ce n'est pas du cinéma. C'est de la danse. Ne fais pas la comédie. Ce n'est pas de la comédie. Elle n'y pouvait rien. C'était plus fort qu'elle. Un beau jour, ses parents ont fini par comprendre l'ont inscrite au cours de danse de Madame Irina Ballerina. C'est un cinéma, un ancien cinéma qu'on est en train de construire. Ça s'appelle Eden Palace. C'est le cinéma de mon enfance, des années 60. Et puis, l'idée, évidemment, c'est de faire rentrer les spectateurs par groupe de 15, et les emmener dans des choses, dans des labyrinthes, dans des endroits où on voit des choses. C'est très visuel, c'est très musical. Le probe nous est en pièce, les causes éclatent. L'arbre du Holt de la Gatte plonge en mer. Nos guménèses sont prêts que tout rompe. Zalas, Zalas, où sont nos boulingues? Tout est fleurore, bigote. À qui appartiendra ce brise? Amis, prestez-moi ici derrière une de ces lambardes. Nous avons planté ce printemps les graines d'une révolte qui ne germera peut-être que dans plusieurs années. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le peuple du Québec n'est pas endormi, pas plus que ne l'est sa jeunesse. Il faisait froid. J'avais froid. Et l'obscurité autour de moi était immense. Tout était silencieux. La ville entière était silencieuse. Et dans les hauteurs, on entendait l'éternel lamento, ce bourdonnement lointain qui ne s'arrête jamais, cette interminable lamentation morbide. Mais j'avais si froid. Au diable! Au diable! Au diable! Au diable! Tout ça! J'étais allongé là, sur le banc, et le bruit a disparu. Et les pas ont résonné de moins en moins fréquemment, et tout est devenu noir. Toutes les fenêtres sont devenues noires. «
critique poétique, véritable réflexion artistique, travail de collectage du réel, qui permet d'explorer et d'interroger notre monde de façon pertinente et impertinente. Êtes-vous vraiment sûr que certains sports ne sont pas accessibles aux femmes? Comme par exemple le lancer du marteau, le rugby ou les haltères. Il y a beaucoup de femmes qui se réalisent en faisant ces sports-là. Et elles y prennent vraiment un grand plaisir. Voilà, c'est ce que les spectacles racontent. Ce qui est important pour nous tous, c'est de vivre et de savoir pourquoi nous vivons et ce qui nous fait vivre. Il nous faut croire en un sens de la vie renouvelé par le théâtre. Où l'homme se pose impavidement en maître de quelque chose qui n'est pas encore, mais qui va le faire maître. Il paraît qu'à l'apostrophe, scène nationale de Sergi Pontoise et de Valdoise, il y a des résidents. Ils sont là pour la plupart, et il en manque un qui est en train de donner un concert quelque part en France aujourd'hui. Celui qui n'est pas là, c'est Pierre de Bettman, le pianiste de jazz. Mais les trois autres que vous allez entendre dans un moment, c'est Antoine Cobé, artiste dramatique, metteur en scène, qui nous accompagne sur cette saison sur deux productions. Olivier Dubois, chorégraphe, qui également sera présent sur deux spectacles. Et puis Jacques Robotier, qui a la particularité peu commune d'être à la fois un auteur dramatique et à la fois un compositeur, et qui entame sa deuxième année de résidence avec nous. Héraclite, c'est celui qui pleurait toujours sur le monde. Il y a une tradition comme ça depuis 1500 ans. Montaigne en parle, par exemple, il dit soit un événement un peu marquant, est-ce qu'il vaut mieux en rire ou en pleurer, je crois, les élections dimanche, par exemple. Est-ce qu'il vaut mieux en rire ou en pleurer, ou autre chose. Et il disait, Héraclite pleurait toujours sur le monde, et Démocrite rigolait. Voilà. Et donc il y a toute une tradition, je te dis chez Montaigne, mais c'est venu dans la culture populaire, sous la forme de gens qui rient et gens qui pleurent. Et alors tu nous proposes le cabaret de la dernière chambre, c'est plutôt c'est triste. Hein. Non, c'est pas terrible. Ah non, la dernière chambre, c'est... Qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Bah, tu m'as dit le tout et son contraire. C'est triste ou c'est pas triste? Au contraire, c'est plutôt optimiste, tu dis c'est bien. Non, la dernière chance, parce que c'est la dernière chance que vous avez de le voir, puisque c'est fait spécialement pour vous, en fait. Pour cette public. Voilà. Donc, c'est la dernière chance, la première aussi, d'ailleurs, que vous avez de voir ce truc-là, et nous aussi de le faire, d'ailleurs. Qui s'appelle « Études critiques pour un trompe-l'œil » et questionne la notion de résistance en disant « voilà, la création est un acte de résistance ». Donc je fais, en créant, j'ai fait de ces femmes des résistantes et du coup du public un résistant. Donc voilà, c'est le premier volet. Deuxième volet rouge qui a été présenté ici, donc qui était un solo que je dansais. Et donc enfin, tragédie. Et, alors je ne sais pas si c'est exactement le troisième volet, je me laissais libre de savoir si c'est le troisième, peut-être qu'il en faudra un quatrième. Je ne sais pas. Et donc, tragédie est une tentative d'essayer de partir. Je pars presque d'un théorème anatomique en disant je suis femme et ainsi faite pour les dames, et je suis homme et ainsi fait. Et à partir de là, d'essayer de tenter de déceler, d'apercevoir une humanité. Et alors là, l'audace est incroyable, c'est d'essayer de dépasser la question chorégraphique et spectaculaire et d'aller dans la sensation. Se dire voilà, cette pièce, je l'aimerais comme une sensation du monde. Comme un grand, alors du coup ça devient un grand poème. Quand on ouvre Finnegan's Wake de Joyce, c'est
900 pages, 17 chapitres auxquels on ne comprend strictement rien. C'est même pas écrit en anglais, d'ailleurs, ça n'est pas écrit du tout, ce n'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être écouté et regardé. Alors, évidemment, quand on vous dit ça à un homme de théâtre, écouter et regarder, ça veut dire que s'il y a une voix, s'il y a un système respiratoire qui essaye de prendre en compte cette langue et de la mener, s'il y a un espace, s'il y a un théâtre, s'il y a des oreilles et des yeux pour écouter et voir vous, alors il peut se passer quelque chose. Et je me suis dit, bon ben, il va peut-être se passer quelque chose. On a essayé de le faire, il fallait un acteur pour raconter cette grande histoire, c'est Charif Mandoura, et on a pris les outils du théâtre pour écouter et regarder.